Chers téléspectateurs HPM, salut. Salut PDG Abner. Salut toutes super branchées HPM TV. Vois pas M. Lalan Fritz depuis Port-au-Prince qui va informer toute actualité qui a dominé le territoire pays d'Haïti. Une fois encore, nous disons bienvenue dans le point d'information que HPM pote pour sur ce qui a déroulé en Haïti. Ici en Haïti, bagayo encore toujours mélangé et mélange qui gagne, on vient pas ka konnen sou ki pente pays ça li même li retrouvé. Yannick Joseph, Abelson Gonègue, Kirby Geoffroy, Antoine Dario, Alexandre Pascal, Louis Ludner et Jean-James Josieu. C'est sept noms ça yo qui gen avis de recherche pour yo. Parmi yo gen ancien policier qui révoqué, gen l'autre qui en fonction et gen policier qui en dans syndicat SPNH 17 qui yo même nan liste avis de recherche selon yon note qui sorti 22 mars 2021 qui sont passé là au commandement police nationale d'Haïti a annoncé révocation tout policier qui en dans groupe fantôme 509 9 noms 7 noms nous sont cités pour là c'est nom qui y a pour chercher pour aller devant des CPJ. Yannick Joseph Bokotepal qui c'est une police militante ancienne coordonnatrice SPNI 17 Yannick Joseph lui-même lui a annoncé que valise lui presque fin rangée pour la porter tête li soit dans palais national ou bien dans local DCPJ pour yo même yo ka di exactement ça yo gen pour di avèl. N'a rappelé pour Yannick Joseph c'est un nan moun qui te initié mouvement SPNH 17 et lui même qui te joine yon audition dans inspection générale avant pour te remercier en dans police nationale là pour te voyer sous béton. Qui s'est passé à l'intérieur de la police nationale entre SPNH 17, Fantôme et Corps police nationale, mélangé avec haut commandement police nationale, qui, selon des informations, c'est DG police nationale, Léon Charles, qui a bail l'argent avec deux policiers techniciens qui étaient sous drôme. Qui t'a transféré image jour attaque 12 mars dans le village de Dieu. Monsieur Sao, t'a recevoir l'argent dans main pour t'a quitter pays pour pas gain temps joindre pour questionner pendant que Boucher lui-même inspecteur Boucher a valé prison. Nous va tourner sur question ça pour. Lundi 22 mars qui s'est passé là, Robinson dit plus connu sous nom Khan. Monsieur Tehwen Lamol, en bas cartouche police nationale d'Haïti, dans échange de tir, il était gain avec la police dans ville commune Torbeck, qui située li dans département sud pays d'Haïti. Les mêmes Robinson, la police a reproché quelques nègres qui dans mouvement assassinat qui fait en dans commune. Mercredi 24 mars 2021, deux jeunes garçons dans la ville commune Pétionville, plus précisément dans mon Hercule, ont joué dans le pendant qu'ils ont joué domino. Et c'est un gars bon motocyclette qui a passé ouvert feu sur eux. Et dans la cartouche qui a lancé, deux mouns, deux jeunes garçons ont joué dans le artiste isolant, bon côté balle, ont joué une arrestation là. Jour qui était 24 mars 2021 dans l'aéroport Toussaint Louverture. Dans l'après-midi 24 mars 2021, Léonard Tout-Puissant, c'est non ça, artiste isolant, comme non papa la maman l'a été bali. Et monsieur, tu as eu une arrestation par brigade BLTS. Quelques temps après, artiste a eu une libération selon toute information. C'est à Wyclef Jean qui t'a fourré bouche dans la question ça.
Mouvement rache affiche, banderole, qui a mobilisé moun, conscientisé moun, sous référendum 27 juin, li pa campé dans capitale Port-au-Prince. Affiche, banderole, bagay sa yo, mouvement politique pavle wè yo, juste pour faire échec à référendum pour dire si oui ou non, nous d'accord nouvelle constitution, Boniface Alexandre et Jovenel Moïse là. Bon côté ville commune Dondon, route l'ont été bloquée pour affaire courant, population a demandé. Pour une deuxième journée consécutive, ville Saint-Marc t'est bloquée et militants ont demandé avec plusieurs zones donc au Cap, Gonaïve, Port-au-Prince, Carrefour pour eux-mêmes yo ta lancé yo nan mouvement cadenassé ville yo nan but pour exiger départ ak libération l'autre policier qui retrouvé yo nan village de Dieu qui selon toute information yo ta vivant. Alors c'est comme ça Port-au-Prince ak Resville yo lié nan moment n'a parlé avec ou là PDG Abner. Dossier qui a ba en pile de chargé, est-ce que yo kwè ou bien moun pa kapab kwè ak Jean Pays sa marché? C'est opération chasse à l'homme à l'intérieur police nationale là pendant à terre chaque ville commune yo capitale zone métropolitaine de Port-au-Prince zilé yo lagué en bas main civile armée face à un corps police qui placé pour bail sécurité mélangé avec naissance nouvelle naissance FADH qui là pour lui-même supporter ou bien seconder police là n'en cas besoin personne pas capable quoi est-ce que c'est l'état qui bataille avec l'état qui est-ce qui là pour mettre l'ordre dans désordre? Qui est-ce qui a mis l'ordre dans le désordre? C'est tout ça. Société a posé question. De tous côtés, société haïtienne l'a perdu. Société a perdu, l'y enfouillé et l'y même entortillé dans une éternité de problèmes qui, à chaque microseconde, multiplié, sous-multiplié. 3 ans et demi en bas embargo. Sorti 30 septembre 1991, rivé 15 octobre 1994, société ça te payé yon embargo très cher après yon coup d'état sanglant qui te organisé et supporté par les États-Unis d'Amérique. Après pep ça te fin prend toute humiliation lorsque te exprimé dans l'élection 16 décembre 90, li te gen espoir que démocratie t'a pote quelque kifoy pour lui. Yon peuple qui t'est sorti en bas yon massacre nan bulletin nan meni nan Riel Vaillant yon 29 novembre 87. Yon peuple qui t'est montré le monde croyance li nan question démocratie côté avec yon insécurité dandi li t'est al voter 7 février 2006 côté kidnapping enlèvement, assassinat à ferrage, mais yon te fait rêve pour yon t'al voter 7 février 2006, kote yon te mette ou négocie à préval sous pouvoir nan kal élection. Encore là, yon te montre que yon kwen nan démocratie. Je dis à tout rêve, pep sa lage nan poubelle l'histoire. Tout institution yon démoli. Ou pa ka parler de pouvoir judiciaire là. Lien tatad, ou pas qu'à parler de pouvoir exécutif, exécutif li pèt parole, et pour pas qu'à parler de pouvoir parlementaire, pouvoir parlementaire lui-même, li entre la vie et la mort. Haïti a marché en marassa. Deux présidents, Joseph Messel, Jovenel Moïse, deux corps police, Youn pour Léon Charles, l'autre l'a tombé en bas main, Dimitri Erard. Deux mouvements PNH, Fantôme 509, PMH régulier. Deux groupes politiques, opposition radicale, opposition modérée.
deux secteurs privés, un secteur privé dans l'opposition, l'autre là marche à pouvoir. Deux sortes de l'église. Yon l'église pour société a pour président appliqué article 134.1.2. L'autre l'église a lui-même, li pa di ni cric ni crac, mais la règle des mouvements en bas. Dans tout ça qui a passé yo. Qui espoir peuple haïtien? Qui espoir chaque monde? Question pour un pile observateur à poser et qui méritait une réponse. Et réponse ça son enquête qui t'a le révélé. Mais c'est qui est-ce qui va faire enquête là? Puis une découverte qui fait pas fait trop loin. Question en pile observateur à poser. Groupe qui devine chasser pillager yo dans Universal Motors jour où t'as fait pillage là dedans lorsque Phantom 509 te prend béton hein. Et puis monsieur on groupe te mette tête dans route aéroport pour t'aller faire pillage dans Universal Motors. Groupe ça qui devine chasser yo examen nan men. Qui est-ce joyeux? Qui côté au sorti? Pour qui est-ce qu'il travaille? Est-ce que ça t'a voulu dire secteur privé a un groupe gang pal que l'a dirigé? Même Jean ou qu'a dit l'État a un gang pal, leader politique a un gang pal et quartier a un gang pal. Qui est-ce qui va faire lumière sur question? Hein? Qui est-ce qui va résoudre problème ça? Personne pas ouais clé, mais entre temps parents victimes yo dans village de Dieu toujours attendre comportement bon comportement la police toujours attendre à espoir y a un cadavre toujours attendre à espoir Luc Dor capable de libération ou bien la police pour aller à la recherche li mais la police au commandement l'armée a pas dit rien. Mais société a distrait à question Phantom 509, syndicat SPNH 17, ak pile révocation li annonce yo. Qui j'en demain à pied s'arrête entre les mains de la nature. Voix pam, c'est la Lat Fritz pour HPM depuis Port-au-Prince, capitale Port-Saint-Principe. Au revoir.